Il arrive au club, il dit « Ok, je prends cette équipe, ne sont pas dans mes plans Ronaldinho, Deco et Samuel Eto'o. » Non seulement il se trompe, et il se trompe profondément. Mais déjà, bon, vous connaissez ce business de la presse, les télévisions, il y a souvent des enfants qui sont beaux, d'autres qui le sont moins. Et moi, j'ai toujours été l'enfant qui était moins beau. Et c'était mon rôle, mais seulement j'avais un rôle très important dans le vestiaire où je pouvais tout dire à n'importe qui en le regardant dans les yeux. J'ai une blessure au ménisque, je prends 7 mois et je décide d'aller faire ma rééducation dans ma maison à Majorque. C'était une erreur parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le dialogue. Et quand vous avez un vestiaire comme celui du Barça avec des grands joueurs qui ne peuvent pas se parler, il y a un souci, parce que la force du Barça, c'est que c'était un groupe de jeunes qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus qu'un match de football. On se retrouvait pour dîner, on se retrouvait pour danser, on se retrouvait, on avait nos petits secrets. Et tout ça, quand je reviens, était mort. Était mort. Et... comme j'aime souvent dire les vérités, et pour moi toute vérité est bonne à dire, évidemment, ce jour, Ronnie se trompe parce que c'était mon retour, c'était face à la Real Sociedad. Franck, qui me prend avant le match, il me dit « Est-ce que tu veux commencer ou tu vas attendre ?» Je lui dis « Franck, je préfère jouer les dernières 20 minutes en espérant » que le Barça sera en train de gagner 3-0, voire 4. C'est plus facile pour quelqu'un qui a fait 7 mois sans jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Franck fait 3 remplacements et je suis toujours à l'échauffement. Et à un moment donné, je reviens vers le banc de touche et j'ai dit à Eusebio, oui, on a fait 3 remplacements dont je vais aller m'asseoir. Simple. Moi, je n'étais pas fâché. Je reviens, c'est mon premier match. Je savais que j'allais jouer à n'importe quel moment, je devais jouer. Et Franck, qui va en conférence de presse, et on lui pose une question, mais pourquoi Samuel n'a pas joué? Il dit, oh, moi je ne sais pas, mais je l'ai envoyé à l'échauffement et il n'a pas voulu. Mais pourtant, j'étais à l'échauffement et je suis revenu et il avait fait 3 remplacements. Et Ronnie, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal? Parce que si... quelqu'un n'était pas exempt de tout reproche, c'était Ronnie. Mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronnie. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronnie le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. J'ai dit, mais ils sont pas bien dans leur tête, eux. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Giuli est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps, quand on perdait face à Arsenal. Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, on a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe de jeunes gamins avec autant de talent perdre match face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis, OK, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît. On connaît aussi Pep. Mais surtout comme entraîneur,
Il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça. Il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. » Et je lui ai dit « Celui qui va te faire gagner, c'est Eto'o. Mais tu viendras me demander pardon. » Et je suis resté à ma place. J'ai continué à m'entraîner, nous sommes allés aux États-Unis et nous étions à Houston, dans le vestiaire. Il dit avant le match, « Ok, nous allons changer de dossard. » Oh, tout le monde dit « Oh, c'est l'entraîneur qui le fait maintenant, c'est surprenant. » Et il dit « Titi, tu vas prendre le numéro 9 de Samuel. » Titi Henry. Oui, Titi Henry, tu vas prendre le numéro 9. Et Titi était bien content. Et toi portera le 14. Tout le monde était surpris. Et c'est un manque de respect total. Et je ne pouvais pas l'admettre. Parce que j'avais quand même écrit une belle histoire, même si elle devait s'arrêter là, au Barça. J'avais beaucoup fait pour le club, que ce soit dans les stades, mais surtout en dehors du stade. En dehors du stade. J'ai toujours été là pour tous mes coéquipiers, pour tout le club. Vous êtes resté un an avec Pep. Je vais vous dire. Alors, il joue, je suis au banc de touche. Quelques jours plus tard, on joue contre une équipe de Mexico, Chivas. Chivas. Et il a le malheur de me donner 20 minutes. Et je crois qu'il pouvait s'étirer une balle dans la tête. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull. Bon, il se dit, bon, voilà, il me renvoie dedans. Je marque encore 3 buts. Il est obligé de convoquer une réunion. Mais comme il n'a jamais eu le courage de me dire les choses en face, il est passé par mes coéquipiers. J'étais en train de dîner. Et le délégué vient, Carlos Nava, il me dit, viens, j'ai une surprise pour toi. Moi, j'étais pressé. Je me disais peut-être c'est Beyoncé qui m'attendait. J'arrive dans cette suite et je vois Jorquera, Oleguer, Puyol. Les jeunes du Barça. Léo, André, Xavi et surtout Victor, qui est l'un de mes meilleurs amis. Victor Valdés. Et je vois Pep qui est au fond. Et mon visage change. Parce que j'étais très agressif quand je voyais Pep. Mon visage change. Il n'a pas parlé. Alors, Makina, Xavi, il prend la parole, il me dit, bon, négro, comme on te l'a toujours dit et on l'a manifesté, on veut que tu restes et il faut que tu trouves un terrain d'entente avec Pep. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas à Pep. Il doit me présenter ses excuses. Parce qu'il m'a manqué le respect ouvertement à plusieurs reprises et je n'accepte pas ça. Moi, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi chez moi. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Et Pep, il parle un peu en catalan, hein, tout ça, il trouve un peu des phrases difficiles. Et on commence la saison, j'ai parlé 2 fois à Pep. 2 fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller parler à Yaya Touré, qui ne voulait rien savoir de lui. Et une autre fois, c'est parce qu'il voulait me donner des leçons. Comment un attaquant devait bouger? Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment? Ce mouvement ne devait pas se faire comme ça. Et en plus, on était à l'entraînement. Et moi, j'ai fait un jeu sans ballon pour créer un espace pour Messi qui venait. Et en plus, Léo marque. Il me dit, non, il fallait faire. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas normal, toi. En fin de saison, je marque, je crois, 35 buts. Et je marque le but qui nous permet de prendre l'avance face à Manchester à Rome. On se retrouve à... En finale de Ligue des Champions. Oui, en finale de Ligue des Champions. On se retrouve à La Corogne. Et à La Corogne, je marque 2 buts ce match. Et je devais partir jouer face au Togo avec les Lions. On a un dîner bien arrosé. Moi, je ne bois pas. Mais tout le monde s'est lâché un peu. Et il dit, je vais porter un toast. Et puis voilà... Vraiment, il faut qu'on dise merci à Samuel parce que c'était une saison difficile pour lui, mais il a montré le grand joueur qu'il est. Tout ça. Un beau discours. C'est la première fois où j'ai fait confiance à Guardiola. Mais cela m'a coûté
mon passeport pour l'Inter de Milan. Et du coup, quand vous l'avez croisé ensuite à l'Inter, parce que vous l'avez croisé, on a une belle photo de vous en poignée de main. Regardez mon visage. Parce que Guardiola, il m'a vu dans le tunnel. Est-ce qu'il m'a salué dans le tunnel? Il ne m'a pas salué dans le tunnel. Il a attendu là où il y avait tous les caméras. Moi, quand il a... Regardez le visage de Thierry Harry. Ça dit tout. Parce qu'ils ont vu la scène. On était tous dans le tunnel. Regardez Léo Messi. Regardez le visage de Léo Messi. On était tous dans le tunnel. Il ne m'a pas salué. Il a attendu quand il y avait toutes les caméras pour venir me tendre la main. Évidemment, je ne pouvais pas refuser. Parce que le mal-aimé ou l'enfant détesté, on devait dire, ah, voilà, Samuel a encore fait des siennes. Mais seulement, les gens ne connaissent pas les dessous. Parce qu'il aurait bien pu me saluer dans le tunnel. Moi, j'ai eu des différences avec le code lors d'un match espagnol de Barcelone. Je ne sais pas si vous rappelez. À Mallorca. Mais j'ai beaucoup d'estime pour le coach. Le football, c'est ça. Entraîneur de l'Espagnol. De l'Espagnol. Oui. Contre Mallorca. Contre Mallorca. Vous avez envoyé un petit peu. C'était difficile pour le code, mais moi, je devais défendre Mallorca et j'ai fait mon boulot. Et c'était pareil. Donc, c'est une histoire comme ça. Mais bon, après, on s'est retrouvés, Pepe et moi, on a fait la paix. Et je suis content, mais la vraie histoire, c'est celle-là. C'est que Pepe, peut-être dans son envie de gagner, n'a pas respecté certaines choses dans le football. Et heureusement pour lui, j'ai marqué quand même 35 buts cette saison-là qui nous ont quand même permis de gagner. Pichichi, cette saison. Qui nous ont permis de gagner tous les titres qu'il a gagnés. Et il est bien content parce que c'était ses premiers trophées. Saison où le Ballon d'Or arrive dans les mains de Léo Messi. Mérité. Vous êtes dixième de ce classement Ballon d'Or cette saison. Je ne regardais même pas ça, mais Léo l'a bien mérité. Bon,